Bienvenue ici entre Royan et Oléron. Nous sommes à La Palmyre, au zoo de La Palmyre, deuxième parc privé français en termes de fréquentation. Nous sommes avec Pierre Caillé. Avant de revenir effectivement sur la question des générations qui se sont succédées dans cette même famille qui a construit le parc de La Palmyre, on est ici à côté des girafes. On va voir c'est un peu cette ouverture depuis le 2 juin qui a revu arriver le public, notamment nombreux ici. C'est aussi un souffle nouveau pour vous. Ah oui, tout à fait, on est très content d'avoir pu réouvrir depuis un mois maintenant. Après 2 mois et demi de confinement, c'était assez dur. Alors notre travail au quotidien, il n'a pas changé. Nos soigneurs animaliers ont continué à travailler avec la même passion, à s'occuper des animaux. Mais c'est vrai que voilà, l'accueil des visiteurs, c'est une dimension importante puisqu'on est un parc privé. Donc c'est nos visiteurs qui nous font vivre et qui nous permettent de mener à bien nos missions. Là, concernant les girafes, en plus, c'est vrai que le premier mois d'ouverture, on avait suspendu le nourrissage des animaux, justement, par rapport à un risque plus important. Et c'est vrai qu'elles étaient en demande puisqu'elles avaient l'habitude de pouvoir avoir de la nourriture, en l'occurrence du maïs soufflé de la part des visiteurs. Donc ouais, là je crois qu'elles sont assez contentes. Bah tiens, on peut voir Kruger d'ailleurs qui est un peu en quête. C'est toujours bien aussi le but hein, d'avoir du visiteur dans ces parcs animaliers. C'est pour vous un moment où il a fallu continuer à vivre, vous le disiez, nourrir les animaux, c'est un coût parce que sans rentrer ressources, c'est aussi une problématique qu'il faut assurer parce qu'il y a un besoin immédiat. Tout à fait, on a fait le point avec mon père justement pendant cette période en contractant toutes les charges au maximum, en éliminant tout ce qui est communication, réduisant la partie sécurité côté visiteurs, etc. On arrive quand même à 400 000 euros de frais fixes, visiteurs ou non, qu'on supporte pendant l'hiver d'ailleurs, et c'est la période de Pâques à août qui permet justement de supporter ces coûts tout l'hiver. On n'a pas fait appel au chômage partiel ou très peu sur la fin parce que finalement nos équipes fallait qu'elles s'occupent des animaux quotidiens. Là, c'est des animaux qu'on élève en captivité, donc leur espace de vie est forcément plus contraint dans le naturel, donc on se doit d'avoir une qualité de soins irréprochable tout au long de l'année, qu'il y ait des visiteurs ou non. Donc c'est vrai que ça a toujours été le maître mot, depuis mes grands-parents qui ont créé le parc en 66, de toujours apporter un soin particulier à l'entretien, au bon nourrissage des animaux, à leur bien-être en fait, en général. Donc ça, on l'a continué tout au long du Covid. Alors aujourd'hui, vous avez retrouvé quasiment une fréquentation à peu près normale pour cette période, plus de 70% je crois. Là, sur cette dernière semaine, oui. On était sur un démarrage à 40% de fréquentation habituelle. C'est-à-dire qu'en plus, on a démarré avec l'absence de camping, d'hôtellerie ouverte en quantité. Les étrangers, belges, anglais, qui sont importants cette saison, pareil, ne sont pas là. Les groupes de scolaires, idem, ça a été reporté. Donc voilà, en effet, c'est plutôt calme au démarrage, mais compte tenu des circonstances, c'est pas si mal. Alors, vous avez évoqué vos grands-parents. Ici, c'est une institution familiale, si on peut dire ainsi. Vous êtes la troisième génération, Pierre. Avant vous, Patrick, et puis Claude, votre grand-père. 1966, c'est une date importante, puisque c'est ici qu'il a souhaité installer ce premier parc animalier, qui était certes pas dans ces dimensions-là. Ah, tout à fait, et on a commencé avec 1,5 hectare. C'était une épopée familiale, puisque en 66, quand ils ont décidé de créer le parc avec ma grand-mère, c'était complètement novateur en fait. Hein. Ils ont commencé par présenter des animaux dans les écoles en amont, et puis une fois qu'ils ont suffisamment mis de côté et qu'ils se sont justement assurer que c'était bien une passion, aussi bien pour l'entretien des animaux que pour aussi diffuser cette pédagogie en fait, parce que c'était vraiment là où mon grand-père a fait ses armes en termes de transmission de son savoir et déjà justement des menaces qui pouvaient peser sur ces espèces-là. Finalement c'est la consécration 66 de pouvoir ouvrir le parc à La Palmyre, sachant que justement c'était une rencontre aussi de volonté, c'est-à-dire que localement il y avait le souhait de créer un site, une destination touristique dans un cadre naturel, et qu'il s'agissait aussi de le préserver en fait. On peut le voir encore maintenant, finalement on n'a pas de grosses constructions qui ont rasé la forêt. L'idée c'était vraiment d'intégrer l'humain et le végétal dans cet espace-là qui est la presqu'île d'Arvers et notamment le site de La Palmyre. Et alors comment votre père justement a pris la suite et a fait évoluer, a fait grandir, avant de parler de l'évolution et de l'avenir des parcs zoologiques, là immédiatement comment ça s'est poursuivi? C'est un travail d'aventurier et l'autodidacte en fait. Hein. C'est vrai qu'il n'y avait pas d'école de soigneur animalier, encore moins de directeur de parc zoologique. C'est des choses, c'est des passions et sur lesquelles ils se sont instruits par eux-mêmes. Ils ont essayé,
il y a eu des échecs, des réussites. Si vous voulez, mon père, dès l'âge de ses 12 ans, venait travailler au parc à chaque vacances, justement pour aider mon grand-père et puis ma grand-mère. Et ça allait aussi bien pour le nettoyage des enclos que la vente des billets, que le conseil aux visiteurs, que la vente en boutique. Voilà, là, il s'agit d'être polyvalent. Et dès le départ, il y a eu pas mal d'échanges avec les autres parcs zoologiques aussi au niveau des rations alimentaires. Qu'est-ce qui se faisait, qu'est-ce qui marchait, qu'est-ce qui ne marchait pas. Voilà, il s'agissait vraiment d'être ouvert, d'être humble et de continuer à progresser année après année par rapport aux espèces qu'on pouvait présenter ou aux nouvelles qu'on souhaitait accueillir. Donc il y a eu une part quand même d'empirisme dans tout ça, mais une volonté aussi de, le mot n'est pas aujourd'hui, mais de professionnalisation, parce que quelque part l'évolution fait que, vous le disiez justement, il fallait aller plus loin à chaque fois qu'une nouvelle espèce rentrait, et c'est aussi l'objet de ce parc qui accueille une somme considérable d'animaux avec plus d'une centaine d'espèces, je crois. Oui, tout à fait. On est quasiment à 110 espèces, en fait. On représente l'ensemble des continents et l'ensemble aussi des classes, mammifères, oiseaux, reptiles. Alors, c'est vrai qu'on a peu de poissons ici. Mais pour le reste, on a voulu justement montrer une diversité. Pour les poissons, vous avez l'aquarium de La Rochelle. Exactement. Pas loin. on est bien entouré sur le département. C'est quand même une volonté de pouvoir représenter, mais c'est aussi une difficulté d'avoir autant d'espèces différentes. Parce que autant d'espèces différentes, autant de besoins différents, autant de complexité d'animaux avec des, vous le disiez, une représentation sur les continents aussi différente, avec des biotopes différents. Donc c'est une adaptation complètement particulière. Ah, complètement, parce qu'il s'agit d'adapter vraiment les enclos aussi aux besoins de l'animal. On essaie évidemment de reproduire au maximum le naturel, maintenant avec les contraintes techniques qu'on peut avoir en parc zoologique. Mais ça joue aussi bien sur la constitution de l'enclos, la constitution des groupes, la constitution aussi des rations alimentaires et l'entretien au quotidien. Il s'agit d'avoir des soigneurs spécialisés, en fait. C'est-à-dire qu'on a 21 secteurs dans le parc, des soigneurs qui sont spécialisés sur des secteurs, quelques soigneurs polyvalents aussi qui permettent de tourner. Mais oui, on compte au moins 3-4 mois de formation pour un soigneur animalier. Et puis pareil, au niveau vétérinaire, il s'agit d'être agile pour pouvoir passer d'une girafe à un oiseau, puis à un grand singe. Voilà, donc ça s'apprend. Parce que les soins sont quotidiens. Ah, complètement. Et j'imagine que le vétérinaire ne doit pas intervenir tous les jours, mais pas loin. Non, mais par contre, il s'agit d'être en veille, c'est-à-dire que le soigneur animalier, c'est vraiment un maillon extrêmement fort dans un parc zoologique, puisque c'est lui qui est en contact au quotidien avec les animaux, c'est lui qui les connaît, qui voit si ça va, si ça va mal, et qui remonte au vétérinaire les informations utiles. Et pareil, dans le suivi des soins, si jamais il y a une dégradation, pareil, c'est le premier aussi à pouvoir remonter cette information-là. C'est un sujet qu'on va aborder dans un petit moment, hein, l'aspect conservation, évolution du zoo, mais là, on ne peut pas ne pas passer à côté, effectivement, des girafons et des naissances, c'est aussi un élément essentiel d'un zoo, aussi que de pouvoir avoir des naissances, et c'est aussi un marqueur de bien-être, j'imagine, des animaux. Oui, tout à fait, c'est-à-dire qu'on enregistre à peu près 200 à 250 naissances par an au zoo de la Palmyre. C'est énorme. Et c'est important. Après, il faut savoir qu'on fait aussi la contraception sur d'autres espèces, des espèces sur lesquelles on maîtrise bien la reproduction. D'accord. Et sur les groupes qui se constituent de manière importante et pour lesquels la longévité est importante aussi. On fait de la contraception justement pour pouvoir travailler dans la durée. Il faut vraiment avoir une vision long terme, en fait, hein, pour gérer une population animale, puisqu'il ne s'agit pas d'avoir plein de naissances sur 10 ans, après de se retrouver bloqué et d'avoir une population qui vit d'un seul coup, voire qui devient stérile. Alors c'est sûr que c'est un marqueur de bien-être et justement on s'y attache, c'est multifactoriel, mais c'est aussi vraiment un enjeu global sur la gestion de ces populations-là et d'un savoir-faire qu'on développe en parc zoologique pour notamment pouvoir faire de la réintroduction par la suite. Alors justement, on va continuer à parler de l'évolution, hein, de ce parc zoologique. Donc vous êtes la troisième génération, Pierre. Où est-ce qu'on va aller là maintenant exactement ? Écoutez, là on va se rendre sur l'île des Varirous, espèce endémique de Madagascar, sous lequel il y a un fort enjeu de conservation et pour lequel on a une attache particulière. Allez, on y va. Mais voilà, Pierre, donc on est arrivé ici sur cette zone. Alors, il y a un panneau très explicite, c'est l'ancienne île aux gorilles. Et finalement, il n'y a plus de gorilles. Exactement, en fait. Ça fait partie un petit peu de l'évolution naturelle du parc, en fait. C'est-à-dire qu'on réaménage nos espaces. Et notamment, pour les espèces, justement, pour lesquelles on souhaite agrandir, améliorer les conditions de bien-être, etc.
on va créer de nouveaux espaces plus grands. Donc ça a été le cas pour les gorilles, par exemple, ici, qui sont partis dans l'espace Grand Singe en 2009, sur des pesquilles nettement plus grandes. Et à la place, on a mis des espèces plus petites, en l'occurrence ici, des varirous de Madagascar, dans un environnement beaucoup plus adapté à eux qu'il ne l'était pour les gorilles, en fait. Alors c'est important aussi pour l'évolution du parc zoologique, notamment du zoo de la Palmyre. C'est-à-dire, c'est aussi ce qui s'est fait naturellement, c'est l'extension. Vous le disiez, on est parti d'un hectare et demi, aujourd'hui on est à plus de 18 hectares. Donc en fait, c'est aussi l'extension du territoire pour accueillir les espèces, les nouvelles espèces, mais aussi, j'imagine, leur offrir un meilleur biotope qui se rapproche, entre guillemets, plus de ce qu'ils ont naturellement. C'est la recherche constante, en fait, d'une amélioration des conditions de vie et du bien-être de nos pensionnaires. Donc là, justement, on essaye de végétaliser davantage. C'est vrai qu'au départ, il y avait des inquiétudes concernant l'aspect vétérinaire, au parasitisme, etc. C'est vrai que maintenant, il y a des connaissances plus poussées en la matière. Et donc, on se permet plus de largesse d'avoir des environnements plus naturels, plus variés pour les animaux. Et alors, comment on fait grandir un zoo en superficie? Parce que c'est quand même pas anodin. On évolue, c'est un vrai enjeu, en fait. C'est vrai, comme vous l'avez rappelé, on est à 18 hectares maintenant. Ça a été des évolutions progressives. En fait, ce qui s'est passé, c'est que toutes les terres autour appartiennent à l'ONCFS et ça a été des échanges de terrains. C'est-à-dire que ma famille a acheté des terrains de forêt un peu partout dans la presqu'île et qu'ils ont échangé 1 pour 10, 1 pour 20 hectares à proximité du parc. Donc l'idée, l'ONCFS n'avait pas les moyens justement d'étendre sa zone de rayonnement. Donc du coup, c'est des privés comme le zoo de la Palmyre qui ont pu leur permettre d'acheter du terrain. Et en échange, on a récupéré du terrain à proximité du parc. Ah, c'est un travail de longue haleine. Tout à fait, tout à fait. Et l'enjeu a vraiment été de se lover en fait dans ce terrain naturel. On a respecté le massif dunaire. À chaque installation de bâtiment, l'idée c'est de conserver au maximum les arbres. Donc c'est pour ça que des fois, on a peut-être un relief ou des implantations qui ne semblent pas forcément optimales. L'idée étant en fait de préserver l'environnement naturel dans le on est. En fait, c'est un parc où vous essayez effectivement d'avoir du cheminement, mais qu'il soit quand même le plus harmonieux et respectueux. À intégrer dans son environnement. Aujourd'hui, 2020, vous le disiez, 2009, ça a été le changement pour les grands singes. 2020, est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on a cette perspective encore d'étendre le territoire, ou est-ce qu'aujourd'hui le zoo se restreindra, entre guillemets, à cette configuration actuelle? Alors, en termes de superficie, on a sûrement atteint les limites, à savoir 18 hectares. C'est vrai que la forêt est protégée et c'est tant mieux. Ça bloque un peu notre développement, mais ça permet aussi de garantir quand même la préservation du milieu naturel par rapport à d'autres exploitations possibles. Donc l'enjeu, ça va être de se renouveler et de continuer à améliorer les conditions de vie dans cet espace-là. Donc ça va passer pour plus de mixité. Alors c'est ce qu'on fait déjà avec certaines espèces. D'ailleurs, on voit au loin tapir, nandou, cabiais, en fait, des espèces d'Amérique du Sud qui cohabitent très bien. On pourrait le faire aussi pour d'autres. Donc ça va être un sujet de réflexion. Et on va aussi passer sur une approche avec moins d'espèces, plus d'espace. Par exemple, les tigres, justement, voudraient agrandir leur territoire. On a les jaguars à côté qui ont un enclos qui n'est pas immense. Donc l'idée, ce serait de faire partir cette espèce de jaguar pour pouvoir étendre l'enclos des tigres derrière, quitte à par la suite à amener plus de renouvellement, c'est-à-dire garder les tigres pendant 5-10 ans, puis reprendre les jaguars. Voilà, ça va être c'est ce double enjeu-là à gérer. Donc moins d'espèces dans le parc, mais plus d'espace. Et c'est une réflexion aussi au quotidien, parce que j'imagine que se dire qu'on accueille ou quand on a la possibilité d'accueillir une espèce, comment on fait? Est-ce que oui, non, peut-être? C'est aussi européanisé, hein, si on peut dire ainsi, ou mondialisé aujourd'hui les zoos, parce qu'il y a une nécessité aussi de garantir le côté renouvellement génétique des populations et ne pas se concentrer sur un même territoire. Vous abordez plusieurs points intéressants, en fait. En effet, les parcs se sont professionnalisés, et notamment au travers du tissu européen. Quand on souhaite avoir une nouvelle espèce, on fait la demande en général, c'est le cas pour la moitié des espèces qu'on a au parc, un coordinateur européen qui gère l'espèce, aussi bien sur la gestion de population que sur la qualité des installations pour les accueillir. C'est-à-dire qu'un nouveau parc qui souhaiterait accueillir par exemple des gorilles, il va devoir montrer justement les plans de ses installations, expliquer les protocoles de soins qu'il va appliquer, pour justement que le coordinateur s'assure que les conditions de vie et de perpétuation de l'espèce vont être optimales. Donc là, c'est vrai que c'est une vraie force de proposition et de conseil qu'on a au sein de cette association-là pour pouvoir faire progresser tous les parcs vers le mieux. Ensuite, au niveau de la gestion au quotidien, en effet, on reçoit des directives en fait, de la part du coordinateur sur les recommandations de reproduction, tel individu avec tel individu. Est-ce qu'il faut aussi faire partir, par exemple, la fille pour éviter qu'elle se reproduise avec le père dans un autre parc? Donc du coup, il a toute une grille génétique de la population pour optimiser. C'est-à-dire que si on voit qu'à Limoges, du coup, il y a un mâle qui est génétiquement intéressant par rapport à cette jeune femelle, bon, bah, du coup, on va le faire partir au parc de Limoges. Voilà, c'est une approche vraiment globale, toujours dans l'idée d'avoir un patrimoine génétique aussi diversifié que possible pour cette population captive,
pour avoir un objectif à terme de réintroduction dans le milieu naturel. Alors vous avez employé un mot, population captive. Souvent, il y a eu une image par le passé, et peut-être encore qui perdure chez certains, de captivité justement à travers un zoo. Mais pas seulement, il faut regarder aussi aujourd'hui l'évolution du zoo qui est avec une mission particulière, vous allez nous expliquer, c'est-à-dire la conservation des espèces et notamment des espèces menacées. En fait, les parcs zoologiques sont vraiment un maillon fort de la conservation. On s'appuie beaucoup sur les scientifiques de terrain pour justement s'occuper au mieux de nos animaux en captivité, mais aussi c'est un lieu extrêmement privilégié pour observer les animaux au quotidien, mieux les connaître, pour mieux les préserver derrière, aussi bien sur des rations alimentaires, mais aussi sur la création de nids. Par exemple, on a des problèmes à Bornéo, justement, de déforestation de la forêt primaire, avec beaucoup de vieux arbres, vieux grands arbres dans lesquels ont l'habitude de nicher les calaos. Et du fait de cette déforestation-là, initialement pour la coupe du bois et l'exploitation du bois exotique, notamment en Occident, ils se retrouvent sans lieu de niche, ces oiseaux. Donc en fait, il y a des études qui ont été menées en parc zoologique, notamment à Beauval, par exemple, où ils ont justement constitué un ensemble de nids artificiels et pour pouvoir déterminer quel était le nid le plus approprié. Et une fois que le nid parfait a été, enfin parfait, en tout cas le plus approprié a été élaboré en parc zoologique, ils ont transposé sa production dans le nid naturel avec les communautés locales. Vous avez employé un autre mot, c'est réintroduction. Où est-ce qu'on en est effectivement de ce lien entre le milieu naturel et le parc zoologique? C'est un lien assez fort en fait. Alors évidemment, les gros enjeux de conservation se font sur les espèces déjà existantes dans la nature, puisque pour pouvoir réintroduire, il faut que le milieu naturel le permette. Et donc c'est quand même plus simple de sensibiliser les communautés locales et de, comment dire, préserver un territoire déjà existant que de le recréer. Par contre, c'est vraiment quelque chose d'important pour nous. Ça a déjà été fait pour le tamarin lion doré au Brésil. Les chevaux de Przewalski, c'est une espèce aussi qui est connue, emblématique en la matière. On est en train de réfléchir sur la réintroduction de guépards en Inde. Voilà, c'est vraiment une technicité qu'on souhaite apporter justement aux autorités locales souhaitant le mettre en œuvre, voire sinon soutenir des initiatives directes pour le faire. Du coup, la passion, l'empirisme se transforme en rationalisme. Ah, complètement. Et puis, c'est la consécration. Pour le coup, quand c'est un peu l'aboutissement de la mission, que ce soit pour les équipes de terrain, pour la direction, pour le public aussi. Voilà, c'est la conservation, c'est l'enjeu majeur des parcs. Puisqu'on l'a vu effectivement aussi dans le premier plateau que l'on a abordé à côté des girafes, aussi ces naissances qui sont importantes pour vous. Complètement. Où est-ce qu'on vous nous emmenez maintenant, parce qu'on va continuer un petit peu notre déambulation dans ce parc de la Palmyre? Bah écoutez, si vous voulez, on peut aller au grand singe maintenant. C'est une autre espèce qui nous tient à cœur, dont on vient de parler, justement pour voir leur nouvel espace dans lequel ils évoluent avec plaisir. Allez, c'est parti. Mais donc Pierre, là on arrive sur ce que l'on disait tout à l'heure, effectivement, l'enclos qui existe depuis 2009, à savoir les grands singes, donc avec derrière nous, vous l'avez dit, les gorilles, les chimpanzés, les orang-outans et encore des chimpanzés. Un groupe de chimpanzés, tout à fait. Oui, c'est vraiment un espace qui nous tenait à cœur en fait. C'est une des espèces emblématiques du parc et pour lequel il y a une affection forte en fait. Hein. C'est-à-dire que mes grands-parents ont élevé d'ailleurs chacune des espèces à la main à l'époque où la nurserie n'était pas encore présente dans le parc. Donc ouais, il y a vraiment une attache forte. Ça veut dire aussi que le parc a su se renouveler, a su évoluer. On le voit à travers les bâtiments, l'intégration dans le paysage qui est quand même assez forte. Complètement, on a justement toute une partie de la toiture qui est végétalisée sur cette installation là. L'idée encore de garder les arbres qui étaient existants, donc on a constitué les presqu'îles autour pour justement les animaux se sentent au mieux dans un espace végétalisé le plus naturel possible. Alors là, Nuki a 30 ans, il veille sur sa tribu, il nous a bien observé en arrivant parce qu'il s'est dit qui c'est, tout surtout fait, celui-là c'est parce que il vous connaît mieux que moi. C'est un espace donc ouvert, là c'est les extérieur, mais ils sont aussi voilà, vous pouvez jongler avec un espace tout intérieur. Tout à fait, c'est des espèces, les primates notamment, qui sont assez sensibles au froid. Donc là, du coup, c'est des primates qui viennent d'Afrique, du coup, Afrique équatoriale, donc avec des températures chaudes. Donc dès qu'on arrive sur les mois d'hiver, avec des températures qui baissent, du vent, de la pluie, là, on les garde en volière intérieure, justement, pour leur éviter d'avoir les affres du froid. Et dès qu'il fait beau, au beau jour, même automne ou printemps, hop, ils peuvent ressortir, du coup, dehors, puisque c'est quand même l'idée de les garder au maximum à l'extérieur. Voilà.
Alors on va parler de l'avenir, parce que vous disiez, vos grands-parents ont élevé au biberon quasiment chacune de ces espèces ou de ces animaux présents. Aujourd'hui, comment vous imaginez, vous, la Palmyre, dans le futur, puisque c'est vous qui allez perpétuer cette tradition familiale? Alors c'est vrai qu'en matière d'élevage, du coup, si on part de cet exemple-là, on a pris un petit peu de recul par rapport à ça, parce que c'est vrai que pour pouvoir s'occuper de ces animaux, il faut s'en occuper avec passion. Et c'est vrai qu'on était pas mal dans l'imprégnation avant, et avec... Trop d'imprégnation. Exactement. Pour rappeler aux téléspectateurs ce qu'est l'imprégnation, c'est effectivement la marque de l'homme sur l'animal et qui prend, entre guillemets, pour sa mère. Là, on est sur des animaux sauvages qui avaient pour certains un comportement un peu d'animaux domestiques. Ce n'est pas ce qu'on recherche, parce qu'il peut y avoir une double incidence, à savoir une difficulté à se réintégrer dans un groupe, à avoir des comportements naturels, notamment en termes de reproduction, mais aussi tout simplement un animal qui peut être rejeté parce qu'il n'a pas les codes. C'est difficile d'élever un animal quand soi-même on n'est pas de la même espèce. Et l'autre aspect, ça reste aussi le risque quand c'est des animaux avec lesquels on rentre dans l'enclos, ça peut être des antilopes, des gnous, quand ils ont été élevés par leurs parents, il y a une certaine distance par rapport à l'homme qui est conservé, alors que quand c'est des animaux qui ont été imprégnés, tout de suite ils sont dans la familiarité, et donc avec leurs soigneurs ou avec des soigneurs qui connaissent bien, ça peut très bien se passer, mais avec un autre soigneur, il peut y avoir des mouvements d'humeur, et justement sans cette distance, ça peut être à risque. Donc vous, aujourd'hui, c'est une des perspectives que vous voulez donner aux zoos, c'est-à-dire entre guillemets le plus naturel possible. Exactement, professionnaliser au maximum l'élevage, c'est des choses qui ont déjà évolué depuis pas mal de temps. Typiquement, sur des guépards qu'on a pu élever à la main, il ne s'agit pas de les caresser, de les cajoler. Et voilà, même si c'est hyper tentant et difficile pour les équipes qui s'en occupent au quotidien, qu'on va faire un biberon à 4h du matin, voilà. Mais on essaie de garder cette approche la plus professionnelle possible. Donc ça se retrouve déjà pour l'élevage des espèces, mais aussi pour la projection par la suite, à savoir donner les meilleures conditions de vie possibles à nos pensionnaires. Et donc on est passé devant l'enclos des ours blancs tout à l'heure, où justement on a fait le choix de ne plus présenter cette espèce au parc parce qu'on n'avait plus les conditions adéquates pour la présenter, notamment pour de jeunes individus qui étaient nouvellement arrivés au parc. Et donc on fait une grosse rénovation de l'installation où on défonce tout le carrelage, le béton pour amener beaucoup plus d'éléments naturels de la terre, du sable, des arbres, des fauches perches d'acacia pour enrichir tout ça, pour créer un environnement propice à la loutre géante sud-américaine qu'on souhaite accueillir d'ici 1 à 2 ans. Alors l'outre géante, on le disait, les dimensions et les mensurations sont quand même assez impressionnantes par rapport à la loutre d'Asie qu'on connaît plus. On est sur un animal qui fait quasiment 1m80 de la tête à la queue et qui n'a pas peur de s'en prendre à des caïmans ou voire même faire fuir des jaguars qui s'approcheraient trop près du nid. Donc à l'avenir, l'enclos des loutres, il n'y aura pas les jaguars ni à côté, ni les caïmans. Non, on ne les mettra pas ensemble. Alors justement, c'est aussi l'avenir, c'est penser le zoo et le parc zoologique d'une autre manière. Comment vous voyez la Palmyre dans 10, 15 ans, 20 ans ? Écoutez, on espère pouvoir accueillir nos visiteurs et avoir les arrière-petits-enfants, du coup, puisque c'est vraiment un parc qui a 50 ans d'histoire et c'est extrêmement plaisant de partager justement l'évolution de ce parc avec les générations après générations. Sur le plan zoologique, ce qu'on veut, c'est avoir quelque chose le plus naturel possible, accueillir les espèces dans les meilleures conditions possibles. Donc, encore une fois, moins d'espèces, plus d'espace, plus de diversité de rotation aussi au sein des espaces présentés au parc. Renforcer les partenariats avec les parcs zoologiques existants et mener des actions encore plus fortes pour la conservation du milieu naturel. Et vous le disiez, les parcs zoologiques existants, ce n'est pas seulement européen, mais aussi, on parlait du continent américain, qui est très important aussi. Oui, tout à fait, c'est-à-dire qu'on a des parcs qui ont une grosse expertise dans pas mal d'espèces, donc il y a déjà des échanges de savoir, mais on pourrait aller encore plus loin, que ce soit les soigneurs ou même au niveau des bassins de population. C'est-à-dire, ce qui nous freine un petit peu, c'est aussi bien les démarches administratives que les coûts des transports, en fait, évidemment, et aussi, plus le transport est long, plus c'est stressant pour l'animal. Maintenant, si on arrive à lever quelques barrières, ça facilitera la gestion des populations au sens large. Et pareil, je pensais aussi à un volet que j'ai peut-être peu abordé jusqu'à maintenant, tout le volet recherche, aussi bien pour la partie bien-être, à savoir quels sont les marqueurs du bien-être animal chez nos pensionnaires, mais aussi comment on fait pour s'en occuper au mieux sur un plan vétérinaire, pour les soigner ou pour les réintégrer dans le milieu naturel. D'où aussi le développement des nurseries que vous avez un petit peu partout sur le site et propre à chaque espèce animale. Tout à fait. La clinique vétérinaire qu'on est en cours de rénovation justement. Là, elle va être prête d'ici 2 à 3 semaines pour pouvoir héberger au mieux nos vétérinaires et qu'ils puissent travailler dans les meilleures conditions possibles pour en prendre soin.
Du coup, le parc zoologique est aujourd'hui, dans votre vision, un véritable élément de protection de la nature. Ah, on est un maillon fort, en fait. Hein. Et encore plus du fait qu'on ait la chance d'accueillir un public large. Et c'est un moment de sensibilisation particulier entre l'homme et l'animal. Alors, c'est vrai qu'il y a des documentaires animaliers qui sont extraordinaires. Là, c'est quelque chose de complémentaire où on peut justement avoir un lien particulier avec l'animal. Quand on peut nourrir justement une girafe ou un zèbre, c'est vrai qu'on le voit dans les yeux des enfants, il y a un lien fort qui se crée. Si on arrive à faire la bascule en se disant, bah tiens, cette espèce, elle est sensible, elle est fragile, il faut préserver son milieu naturel et je peux faire des actions déjà localement qui ont un impact fort au sens large, bah on a gagné notre pari. Merci Pierre Caillé de nous avoir accueillis et peut-être aussi votre fils ou fille qui prendra à l'avenir, pourquoi pas la suite, et continuera la saga familiale. À pérenniser du coup ce parc, ouais. Merci beaucoup. C'est donc la fin de ce point de vue Nouvelle-Aquitaine, ici, au zoo de la Palmyre. On le rappelle, près de Royan, qui a réouvert ses portes depuis le 2 juin. Un véritable écrin de nature et de protection des espèces et de la faune sauvage.